ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un haul IKEA. Donc si vous avez suivi les dernières vidéos, vous savez qu'on a déménagé, on est dans un nouvel appartement et il me manquait quand même pas mal de petites choses, décorations mais aussi des choses très utiles que j'avais dans l'autre appartement mais qui ne m'appartenaient pas. Donc voilà, écoutez, on va faire ce unboxing ensemble et on va placer toutes les choses ensemble. J'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire. C'est parti pour le déballage. Ok, c'est parti, donc on va commencer avec le premier article. Donc c'est un article que j'avais repéré depuis super longtemps et que je trouve juste super beau. Je voulais absolument, c'est ce pouf que vous pouvez aussi utiliser en table. Donc c'est le Alceda. C'est le Alceda, il est super beau. Vous pouvez l'utiliser vraiment comme une table basse ou tout simplement comme un pouf. C'est quand même assez grand, hein, vous voyez. Il est super, super, super joli. Je vais lui trouver un petit emplacement ici dans le salon. Et donc, voilà pour ce premier article. On va rester dans l'esprit rattan, naturel, puisque je vous ferai peut-être un home tour, on verra. Mais j'ai essayé vraiment d'avoir des touches assez naturelles dans la maison. Tant qu'à faire, dans le panier, ils m'ont mis le tapis. Donc ça, c'est un tapis tout simple que je vais mettre donc devant la porte. Et alors, ce qui est cool avec ce tapis, c'est que je vais voir, hein, je pense que je vais le faire, on le fera peut-être avec les filles, mais je pense qu'on va, un petit peu customiser avec de la peinture, histoire de, voilà, que ça soit un peu plus sympa, mais hop, trimpa. Voilà, alors j'ai pris ce panier que je trouvais aussi super beau. Il est grand, il est vraiment grand. Donc ce panier, je vais le mettre ici dans le salon et je vais mettre dedans les plaids et les tapis de prière comme ça. C'est beaucoup plus simple et en même temps ça fait ordonner, mais franchement il est juste trop beau. C'est le Snidad. Ah, j'ai ici un carton. Alors, essentiel. J'avais plus de verre, c'est une nouveauté. Les verres Store Synth. Ils sont super beaux, j'ai vu le design. Ça m'a coûté 15$, je ne me souviens plus des prix. Hein. Il faudrait aller voir sur le site internet. 15$, ça doit faire environ 11€. Regardez ces verres. Ils sont juste super beaux, c'est simple. Hein. Ils sont hyper simples, mais je les trouve juste parfaits. Un de 6. Ah, j'ai ici un pot. Donc, il y a la fleur qui est quelque part là-bas. C'est le pot Muscotte qui se présente comme ça. Pas cher du tout, super joli. Très essentiel que j'avais découvert dans l'appartement précédent puisqu'il était meublé. Donc, dans la cuisine, il y avait cette planche. Et je me suis dit, il faut absolument que j'achète une planche comme ça pour le prochain appartement. Et ça vient de chez Ikea. Donc c'est une planche en bois. C'est une planche en bois comme ceci. Et ce qui est cool, vous verrez, c'est que vous pouvez vraiment la bloquer au niveau de votre plan de travail. Vous voyez, ça s'emboîte comme ça dedans. C'est super, super pratique. Ok, on va continuer avec cette table, avec les tables et chaises. C'est la... J'en suis sûre que vous l'avez vu quelque part dans une vidéo sur Instagram. C'est la table LAT de chez Ikea. Donc je ne l'ai pas encore montée, enfin je ne l'ai pas encore déballée. On va la monter et on va monter aussi les petites chaises. Alors cette table, je l'avais pour Maria Merania et mon Dieu, qu'est-ce qu'elles l'ont utilisée. Donc du coup, on s'est dit, bon, on va la reprendre pour Halloween parce que franchement, elle a tenu facilement. Elle a tenu longtemps, elle a tenu 3 ans, je crois, environ 3 ans. On arrive à ce grand sac dans lequel ils m'ont. Ils ont tout mis, vous voyez. Alors, je sais même plus ce que j'ai pas. Alors ici, j'ai ce support. C'est le support Sige Fine. Je vous montrerai tout à l'heure, mais c'est un support en fait que je vais utiliser pour gagner de la place au niveau du bureau en posant tout simplement mon ordinateur dessus. Ça dans une vidéo et j'ai trouvé ça franchement super sympa. Hop. Ensuite, j'ai ici. Oh, ok. J'ai pris un petit tapis blanc. Ça coûtait vraiment pas cher, mais je voulais voir la qualité. Effectivement, c'est voilà un tapis tout simple que je vais mettre dans l'un des toilettes. Puisqu'ici, il y a plein de toilettes. Bref, super pour l'organisation. J'ai pris ici, comment on appelle ça? Ça, c'est le. C'est quoi la référence hein? Je sais pas comment ça s'appelle. Vous voyez, c'est tout simplement pour ranger les assiettes et du coup, gagner de la place. Autre chose que j'aime beaucoup chez Ikea, ça aussi, je pense que vous devez connaître, c'est le. Ce sont des rangements cubes qui se présentent comme ceci. Cubes, ils existent en blanc, en noir, il me semble. En noir, c'est sûr qu'il existe aussi. Et c'est juste super pratique pour organiser et pour ranger les tiroirs. Ça peut être les sous-vêtements, ça peut être les vêtements, les serviettes ou autres. Moi aussi, j'avais ce lot dans l'ancien appartement. Ok, on va continuer. On va continuer avec. Pour les enfants, vous devez connaître ces feutres, hein, ces feutres Mala. Donc j'ai pris des feutres, j'ai pris des craies pour leur tableau. J'ai pris
des couvre-coussins, des protège-coussins ici. Il y avait une promotion Anxvid. Voilà, tout simple. Alors ça, c'est la plante dont je vous parlais. Elle est super jolie, franchement, regardez-moi ça. Elle est super belle. Hop, je vais la mettre donc dans le pot que j'ai acheté. Et alors, j'avais complètement oublié, mais j'ai pris ce super beau panier que vous devez aussi certainement connaître. Qui est juste trop beau. Regardez. Vraiment super joli. Alors, linge de lit, j'ai pris cette housse que je vous montrerai tout à l'heure, donc pour Haroun, qui est dans les tons gris et un peu vert. Donc ça, on va mettre ça tout à l'heure dans les chambres. Et pour les filles, j'ai pris celle-ci, la Sanglarca, super jolie, c'est double face avec des papillons. Donc il y a une face avec les papillons et une face avec, des fleurs. Elle est vraiment super belle. C'est super beau, donc j'en ai pris deux, puisqu'elles dorment ensemble, donc j'en ai pris deux. Toujours dans le linge de maison, ça c'est un drap pour Haroun. On a bientôt fini. Alors j'ai pris ici des couettes, puisqu'à chaque fois les filles me disent « Maman, avec la clim, il fait froid, il fait froid. » Donc du coup j'ai pris des couettes. Et alors ce que j'ai pris, en fait vous avez trois, vous avez des couettes super chaudes, moyennement chaudes et faibles. J'ai pris les moyennes parce qu'il fait quand même chaud à Singapour, même si on met la clim. Voilà, la clim elle est quand même à 26, en général je la règle à 26, donc il fait pas non plus trop froid. C'est vraiment histoire d'avoir une couette parce qu'à chaque fois elle me demande. Donc du coup j'ai pris pour les filles, pour Haroun. Et c'est vrai que c'est pratique parce que j'en ai besoin pour mettre à l'intérieur des housses que j'ai achetées. Il me reste à vous montrer cette planche de cuisine. Celle-ci pour le coup elle est en plastique. Je trouve que celle-ci, cette planche en plastique, quand on coupe de la viande ou du poisson, c'est plus facile à nettoyer. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais poser, ranger tout ça et en même temps, je vous fais une des petites séquences pour que vous voyez ce que ça donne. Deux dernières choses que j'ai oublié de vous montrer. Alors ici, j'ai pris donc un porte-vêtements pour mettre tout simplement les vêtements à sécher. Et j'ai repris une planche à repasser puisque j'en avais une de chez Ikea qui a tenu quand même 4 ans. Du coup, bah, j'ai repris la même, tout simplement. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des essentiels chez Ikea dont vraiment vous ne pouvez pas vous passer, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye !